Nolwenn ? Oui ? On est arrivé. Allez, vas-y, ce serait bête d'arriver en retard. Entrez. Ah ! Vous devez être Nolwenn. Oui. Ravi de vous accueillir ici. Ne perdons pas plus de temps, je vais vous présenter à votre nouvelle classe. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que tout va bien se passer. Asseyez-vous. Comme vous le saviez sûrement, une nouvelle élève devait arriver. Eh bien la voilà, je vous présente Nolwenn. Souhaitez-lui la bienvenue. Bonjour Nolwenn. Je suis persuadé qu'elle ne tardera pas à s'intégrer. Pour ma part, je vous souhaite une année riche en émotions, en nouvelles expériences et en assiduité. Car ne l'oubliez pas, les études sont la clé de la réussite. Les études sont la clé de la réussite. Bien. Allez vous asseoir. Bonjour, moi c'est Nolwenn. Les études sont la clé de la réussite. Pourquoi vous continuez à étudier? C'est la récréation. Nous devons travailler. Les études sont la clé de la réussite. Merci. Asseyez-vous. Au cours dernier, nous avons parlé d'Arthur Rimbaud. Qui peut me donner la date de naissance de ce poète ? Lève la main. Pourquoi ? C'est quoi la réponse ? Le 20 octobre 1854. Maman, lève la main. Oui, Isabelle ? Le 20 octobre 1854, madame. C'est exact. Continuons donc à parler des œuvres de ce jeune poète. Merci pour tout à l'heure. On ne devrait pas se parler. Et pourquoi ça ? Les études. Ah oui, oui, je sais, les études sont la clé de la réussite. Qu'est-ce que vous avez tous à tout le temps répété cette phrase ? Je ne sais pas. Ils la disent tout le temps. Alors je la dis aussi, pour ne pas finir mal. On ne devrait pas se parler. C'est-à-dire pour ne pas finir mal. Et puis pourquoi on ne devrait pas se parler ? Je ne veux pas finir comme eux. Et crois-moi, tu ne le veux pas non plus. Mais c'est-à-dire finir comme eux ? Mais tu as bien vu. Ils sont dans un état légumatif. Légumatif. Bah oui, ils se parlent pas, ne font que travailler. Ils sont amorphes, comme si on leur avait lavé le cerveau. Hein, végétatif. Et pourquoi eux, ils sont comme ça et pourquoi toi, tu n'es pas comme eux? Je ne sais pas. Je suis arrivée il y a 3 mois. Et je me suis dit qu'il valait mieux que je me fonde dans la masse, vu comment Jennifer avait fini. Jennifer? Elle était comme toi. Comme moi. Comme nous, quoi. Et puis un jour, ils sont arrivés. Ils l'ont pris. Et quand elle est revenue, elle n'était plus elle. Mais c'est-à-dire, elle n'était plus elle. Et puis c'est qui, ils? Ils viennent la chercher, c'est qui? Je ne sais pas. Ils arrivent de l'escalier, ils te prennent, et quand tu reviens, tu n'es plus toi. Mais qu'est-ce que tu me dis là? T'es en train de nous écrire un court-métrage. Si tu veux savoir ce qu'il se passe là-bas, il suffit d'aller demander, et la question sera réglée. Non! Attends! Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Avec mon ami, nous aimerions savoir ce que vous faites au niveau des escaliers, ce qui s'y passe. Cela ne vous concerne pas. Et pourquoi cela ne nous concerne pas? Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Et pourquoi vous n'êtes pas en mesure de nous répondre? Allez, viens! Il faut qu'on aille en cours. Je te l'avais bien dit qu'il ne fallait pas poser de questions.
Maintenant, ils vont nous avoir à l'œil. Et on va finir comme eux. Mais n'importe quoi. Attends-moi. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même. Il épuise tous les poisons. Asseyez-vous. Je voudrais voir Marie. Je te l'avais bien dit. Il vient de nous chercher. Mais non, il vient te chercher, toi. Me laisse pas y aller. Il vient de me chercher. Mais arrête de te faire des films. Si c'était par rapport à tout à l'heure, tu crois pas qu'il nous aurait dit à toutes les deux de venir? Tu es sûre? Mais oui, allez, vas-y. C'est à cause d'hier, c'est ça? Je voulais pas être méchante, tu sais. Ça s'est bien passé, non? Laisse-moi étudier. Les études sont la clé de la réussite. Marie! Marie, qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi étudier. Les études sont la clé de la réussite. Nolwenn, on est arrivé. Allez, vas-y, ce serait bête d'arriver en retard. Entrez. Ah, vous devez être Nolwenn. J'étais justement en train d'annoncer votre arrivée. Je vous en prie, prenez un siège. En tout cas, je vous souhaite une belle année, riche en émotions et en instructions. Et surtout, n'oubliez pas, les études sont la clé de la réussite. Les études sont la clé de la réussite.